Lecture du livre de Coëlette. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais, et qu'approchent les années dont tu diras « Je ne les aime pas », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, l'amandier est en fleur, la sauterelle s'alourdit et la capre ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits et que la poussière retourne à la terre comme à l'envin et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Coëlette, tout est vanité. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit « Retournez, fils d'Adam ». À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, pour que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Commentaire du cardinal Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Quand les soldats romains eurent flagellé Jésus, couronné d'épines et revêtu d'un manteau de dérision, ils l'ont ramené à Pilate. Ce militaire au cœur dur a été apparemment bouleversé à la vue de cet homme détruit, brisé. Il l'a présenté à la foule, l'invitant à la pitié en déclarant « Voici l'homme », mais plus exactement en grec, « Voyez, ceci est l'homme ». Dans la bouche de Pilate, ces mots étaient ceux d'un cynique, qui voulait dire «
nous nous glorifions d'être des hommes, mais maintenant regardez donc, le voilà ce ver de terre, c'est l'homme. Qu'il est méprisable, qu'il est petit. » Dans ces mots cyniques, l'évangéliste Jean a tout de même reconnu des paroles prophétiques qu'il a transmises à la chrétienté. Oui, Pilate a raison quand il dit « Voyez, ceci est l'homme ». En lui, en Jésus-Christ, nous pouvons lire ce qu'est l'homme, le projet de Dieu et quel traitement nous lui réservons. En Jésus déchiré, nous pouvons voir combien l'homme peut être cruel, petit et mesquin. En lui, nous pouvons lire l'histoire de la haine de l'homme et celle du péché. Mais en lui, en son amour qui souffre pour nous, nous pouvons voir encore davantage la réponse de Dieu. Oui, ceci est l'homme que Dieu a aimé jusqu'à la poussière, que Dieu a aimé au point de le suivre jusqu'à l'ultime souffrance de la mort, jusque dans le dernier abaissement. Il est resté l'appelé de Dieu, le frère de Jésus-Christ, appelé à prendre part à l'amour éternel de Dieu. La question « qu'est-ce que l'homme ?» trouve sa réponse dans l'imitation de Jésus-Christ. En mettant nos pas dans les siens, nous pouvons apprendre jour après jour ce qu'est l'homme, dans la patience de l'amour et de la souffrance avec Jésus-Christ, et devenir ainsi des hommes. Ainsi, nous voulons lever les yeux vers celui que Pilate, que l'Église nous présente. L'homme, c'est lui. Prions-le afin qu'il nous apprenne à devenir véritablement des hommes. À être des hommes. Chers amis, devenir des hommes, cela signifie incarner l'amour, la compassion, la patience et la capacité de souffrir pour les autres. C'est une humanité qui va au-delà des faiblesses et des cruautés ordinaires. Une humanité qui participe à l'amour de Dieu, capable de s'abaisser par amour et de se relever dans la fidélité de cet amour. Devenir véritablement des hommes implique de grandir en dignité, en vertu et en amour, à l'image du Christ. Chers amis, voici les neuvaines que nous vous proposons en lien actuellement. Une neuvaine avec le chapelet à la miséricorde divine pour les âmes du purgatoire et pour les âmes qui sont en souffrance. Jésus a promis à Sœur Faustine que la récitation de ce chapelet porterait une grande miséricorde aux âmes à l'heure de leur mort, offrant un salut même aux plus endurcis des pécheurs. Nous vous proposons donc ce chapelet à la miséricorde divine, qui s'affiche maintenant en haut à droite et en description. Il y a la neuvaine à Saint-Michel-Archange. Il y a la neuvaine à Sainte-Thérèse de Lisieux, de l'Enfant Jésus. Et il y a la neuvaine aux trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Ces liens sont en description et sur votre téléphone, vous pouvez cliquer sur « plus » juste en dessous de la vidéo. Et normalement, ça vous mène vers la page de description et là, vous descendez en bas et vous trouvez les liens des playlists.